Ok, nous avons donc notre troisième invité avec nous ici ce soir, c'est Pierre-Olivier Bernard, n'est-ce c'est pas? C'est cela, oui. Est-ce qu'on vous appelle Pierre ou Bernard? Pierre-Olivier est mon prénom. Ah, Pierre-Olivier, d'accord, mais je suis sûre que la plupart vous appellent Pierre, c'est ça? Ça dépend. D'accord, donc Pierre est ici depuis à peu près combien de temps? 8 jours. 8 jours, est-ce que vous venez en visite touristique? Non, je suis là pour 6 mois pour faire des études à Lincoln University. Donc vous êtes en étudiant en tant que... Voilà, je suis en tant qu'étudiant et en plus j'ai un visa pour éventuellement travailler, ce qu'on appelle des petits travaux, quoi. Oui, c'est 20 heures par semaine, quoi. Voilà, à peu près, voilà. Est-ce que San Francisco vous plaît, a priori? Oui, mais au départ, c'est très très choquant pour une chose. Dire, il y a deux mondes. Il y a un monde où il y a des gens qui sont assez riches, où le niveau de la vie est élevé. Très élevé. Et puis l'autre est très bas. Et il y a énormément de gens dont le niveau de vie est bas. Sur Market Street, il y a énormément de gens et ça, c'est très très impressionnant. À Paris, on n'a pas autant de gens qui... Dans les rues, qui dorment comme ça, ou la drogue aussi, visiblement, ça, c'est très très important. Beaucoup de gens, quand on parle avec eux, nous disent que c'est un big business et que c'est et très très impressionnant. C'est vrai qu'il y a beaucoup de trafic de drogue, voilà. Mais il n'y en a pas, c'est vrai, il n'y en a pas autant en France. Non, pas autant. Pour avoir discuté avec des étudiants dans les high schools, beaucoup de trafic de drogue, les enfants se promènent avec des armes. Ah, en France, on ne voit pas ça, ce n'est pas toléré. Qu'ici, c'est toléré. À moi, peut-être que vous avez parlé à des étudiants d'écoles publiques, peut-être. Oui. Non. Même des écoles privées, par exemple, au lycée français. Certains m'ont dit que... Il y a déjà du trafic de drogue, là? Pas au lycée français. Non, ah bon, mais vous ne faites pas de la mauvaise publicité. Non, pas au lycée français, mais bon, eux sont choqués. Ils nous ont expliqué comment ça se passait dans les autres écoles. Ouais. Et c'est très, très impressionnant. Hein. Qu'est-ce que vous pensez la solution pour ces pauvres gens dans la rue? C'est très difficile. Il n'y a pas assez de programmes sociaux, c'est ça? En France, on Les ramasse tout de suite, on ne les laisse pas. Non. En France, il y a des gens qui... suivent à peu près le même régime, donc qui sont dans les rues. Oui. Par contre, on a institué récemment, le gouvernement français a institué ce qu'ils appellent le RMI, c'est un revenu minimum qui permet aux gens, si vous voulez, d'avoir un minimum pour vivre, qui n'est pas très très élevé, mais quand même qui est là et qui leur permet de survivre. Voilà. Et donc, on ne voit pas des gens dans la rue comme ça? Si, on en voit, mais beaucoup moins. Oui, d'accord. Donc, vous pensez que peut-être il y a beaucoup de progrès à faire de ce sens-là ici, c'est ça? C'est possible, oui. Oui, d'accord. Et finalement, vous êtes ici, vous avez rencontré quelqu'un qui est dans la cuisine, c'est ça? Nous sommes plusieurs étudiants. À partir de France, oui, d'accord. Et à partir de France, on a pensé faire découvrir la cuisine française aux Américains. Et de quelle manière? Je crois que c'est une manière tout à fait originale, c'est oui, ça? Il y a notre étudiant avec moi. Lui a fait d'autres études auparavant, il a fait l'école hôtelière de Paris, oui. Il a travaillé dans de grands hôtels à Paris. Et si vous voulez, on propose aux Américains d'aller faire la cuisine chez eux, c'est-à-dire qu'on leur fait les courses, on leur prépare le menu, on leur sert et on range toute la maison, si je peux dire, enfin du moins tout ce que l'on a dérangé pour servir les gens pour la soirée. Et on leur demande $25 par personne. Donc finalement, c'est eux qui choisissent le menu avant. Voilà, ce qu'on a fait, on a, si vous voulez, préparé. Est-ce qu'ils ont le droit de regarder la recette? Bien sûr, on peut leur expliquer, si vous voulez. Qu'ils veulent savoir quand même ce qu'ils vont manger, quoi. Bien sûr, on veut procéder de la façon suivante. On a fait un menu type, oui. C'est-à-dire avec 5-6 plats. Et sur 5-6 plats, on en propose plusieurs. C'est-à-dire qu'une entrée avec, par exemple, je vous dirais une quiche Lorraine, un soufflé au fromage, ainsi de suite. Mm-hmm. Donc, ils choisissent. Et puis, on leur dit ce qui est. Et puis après... ils voient s'ils aiment les ingrédients, c'est voilà, ça? Voilà. S'ils n'aiment pas les œufs, bon, c'est hors de question de faire quelque chose avec on les œufs. On leur explique. Éventuellement, on peut même apporter un petit quelque chose s'ils ont envie de ce petit quelque chose. Et finalement, vous pensez vous trouver des gens qui vont, peut-être pour des private parties, vous inviter, oui. C'est ça? Bah, écoutez, ce soir, on était à la banque retirer de l'argent et on a proposé nos services à une jeune personne qui était là. Et elle était très intéressée. Et elle a trouvé l'idée géniale. C'est ce qu'elle nous a dit. Donc, moi, je vous conseille d'ailleurs de faire une petite annonce dans le journal français d'Amérique. Et voilà. Puis, vous voyez s'il y aura des appels, quoi. Voilà. Et à part ça, qu'est-ce que vous allez étudier ici? Alors, on est là pour 6 mois et on va étudier la gestion de ressources humaines aux États-Unis au niveau des entreprises. Vous n'êtes pas par hasard avec European University, non? Non, Lincoln University. Ah, d'accord. Mais c'est une école française qui loue seulement des bâtiments, enfin du moins des locaux dans l'université. C'était quand même une école française au départ. Hein. D'accord. Donc, et ça se trouve où, ça? Ça se trouve... À San Francisco? Oui, à Gary Street, en remontant vers la mer sur le côté ouest.
Ah d'accord, et donc c'est une école française qui est devenue américaine, c'est ça ? Non, c'est une école française qui envoie ses étudiants 6 mois se former. Marketing, c'est ça ? Marketing, finance, droit. Ça s'appelle comment cette école ? L'école s'appelle l'IPME, Institut des Petites et Moyennes Entreprises. Ah d'accord, d'accord. Oui, j'ai rencontré quelqu'un comme voilà. ça de cette école il y a quelque temps, enfin il y a un an. Oui. Et puis ils ont disparu de la rue Pagne. Je me demandais où ils avaient disparu. Voilà. Alors et... ben, c'est bien que je vous rencontre aujourd'hui. Voilà, c'est qui. Bon, finalement, alors vous allez être. Vous allez commencer avec ça. Si ça devient oui. très successful, vous laissez tomber les études et vous lancez sur ça à plein Pourquoi temps, pas. C'est ça ? Pourquoi pas ? Éventuellement, ça peut être une possibilité. Est-ce que vous avez déjà essayé ce système en France ? Non, parce qu'en France, les gens font eux-mêmes leur cuisine. Pour les soirées... Non, mais l'idée de cuisiner pour quelqu'un chez eux... Est-ce ah oui, que vous mais avez... ça, ça se fait. Ça se ça fait se régulièrement. Fait déjà. Moi, je sais qu'il y a un service, par exemple, de gens qui veulent leur petit déjeuner servi au lit. Ah, bon, ils appellent un oui. service et c'est ah oui, servi ça, avec ça le croissant, le oui. café oui, au lit, oui. etc. Oui, oui, bien sûr. Et oui. là, c'est, je crois... Ben, c'est assez cher, c'est déjà 100$, je ah crois. Ah oui, là, c'est très, très cher, oui, oui. Avec oui. les fleurs et tout, quoi, ah, avec oui, les oui. roses et tout. Mais donc, bien ça, sûr, c'est autre voilà. chose. Ah, oui. Mais le garçon qui est avec moi, qui lui fait la cuisine, travaillait à Paris et il faisait ce qu'on appelle un traiteur. Un traiteur, donc, d'accord. Donc, il faisait uniquement la cuisine. Et puis après, les gens, par eux-mêmes, se l'appelaient. Voilà. Et il disait, viens le faire chez moi, voilà. c'est ça, lui. Voilà. Donc, lui, c'était déjà un chef dans un restaurant. Ah, lui, oui, bien sûr. Il a déjà travaillé dans de grands hôtels à Paris, au Sofitel, des choses bon, comme ça. Bon, étant donné que vous n'êtes pas chef, pourquoi est-ce que je vous engagerais, moi ? Eh bien, écoutez, c'est parce que... Vous savez cuisiner quand même ? Moi, je ne sais pas cuisiner. Lui, sait cuisiner. Alors, moi, que je vous vais allez servir. Faire là-dessus ? Ah, vous allez servir. Parce ah, que, bon, je dirais que j'ai appris à son contact, en sortant aussi, en observant les gens. C'est le meilleur moyen. À servir, vous avez appris à servir. Ouais. Avec lui, oui, il m'a quelque peu briefé, je dirais. Oui, il faut et toujours puis... servir la femme avant l'homme, c'est ça. Voilà, et puis servir à droite, desservir à gauche. Voilà, exactement. Quand vous présentez une bouteille, ne pas la présenter n'importe comment. Enfin, il y a voilà. un peu. Il y a un tas de voilà, petites règles. Voilà, des petites choses à respecter pour que et les gens puissent avoir mettre plaisir la table correctement. C'est voilà, ça, avec bien sûr. Toutes les sortes de fourchettes et toutes les sortes de couteaux pour, bien sûr. Pour le menu. Bien sûr. Et finalement, vous servez aussi, enfin, finalement, vous servez l'entrée, le main et puis on le dessert. Sert tout, il y a des desserts là-dedans ? Bien sûr qu'il y a des desserts. Donnez-nous quelques exemples. Bien sûr. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez déjà goûté, par exemple ? Oh, oui, bien sûr. Alors, comme dessert, des nègres en chemise, des grenoblois au café, des poires champenoises, des charlottes aux pommes, des profiteroles au chocolat. Qu'est-ce que c'est que des nègres ? Des nègres aux poires. Ouais, c'est quoi ? Attendez, je relis parce que c'est pas mal cuisinier. Là, vous me posez une petite colle. Des nègres. Non, mais c'est pas grave, je vous ai demandé un ou deux, mais c'est pas grave. Donc, vous faites des tartes et tout ça, enfin, oui, c'est ça. Oui, des charlottes au chocolat, enfin bon. Finalement, ils les mettent pâtissiers et cuisiniers, c'est ah, ça. Ah oui, oui, à l'école hôtelière de Paris, ils apprennent le total, hein, bien sûr. Bon, d'accord. Bon, je vous souhaite bonne chance ici à San Francisco, et merci. Puis j'espère que ça va décoller. Et donc, c'était Pierre-Olivier qui lance un petit service qui s'appelle Authentic French Cooking at Home. En d'autres mots, les gens vous appellent, vous réservent pour une soirée, ça vous prend 4 heures de votre temps. 4-5 heures, oui. 4-5 heures, donc vous faites les courses, vous cuisinez pour eux, vous les servez et vous rangez tout. Voilà, et c'est $25 par personne. Par personne, et plus la nourriture qu'ils payent eux-mêmes. Ok. Voilà. Okay. D'accord, ben, je vous souhaite bonne chance. Merci, merci. Beaucoup. Donc, c'était Pierre-Olivier Bernard avec Authentic French Cooking at Home qui a bien voulu venir avec nous ce soir. Merci beaucoup.